Attends, tu dis que tu comprends pas, mais active la, active les sous-titres. Ils m'ont activé des sous-titres, man. Ouais. Active les sous-titres, Ouais, justement, je disais à un autre gars que... Ouais, il faut activer les sous-titres sur les vidéos. Franchement, activer les sous-titres. Activer les sous-titres. Attends, je dis n'importe quoi. Continue à filmer. Bon, t'inquiète. Voilà, en fait, c'est ce style de vidéo-là que je mets sur Lifestyle. C'est des vidéos spontanées. Je ne suis pas là pour, comment dire, se valoriser, m'embellir ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous informer. Donc, en fait, cette vidéo a pour but de vous informer sur les changements sur SLM Ghetto Life. Donc, les changements qui seront notés sur SLM Ghetto Life, c'est que je vais faire un effort de mettre les sous-titres. Par exemple, s'il y a une vidéo en Sana Tongo, Aini Mital, Isef Sabi, Da, Anala Samasa Fustang et que Famé Takino Noya, et ben il y a des sous-titres fouillés. Puis bon, j'ai du mal à parler même ma langue natale, putain. Mais en fait, en gros, j'explique comme quoi il faut activer les sous-titres. Si vous ne comprenez pas la vidéo, si il parle dans une autre langue, activez les sous-titres pour que ça devienne plus compréhensible. Voilà. Et. Ah ouais, j'allais oublier. Et pour ceux. Parce qu'en ce moment, je parle en français. Il y a ceux qui me suivent du côté du Suriname qui ne comprennent pas le français, notamment. Donc, il y aura aussi des sous-titres. Et par rapport à ça, il y a une question qui se pose. Est-ce que, voilà, je vous pose cette question. Est-ce que je dois mettre les sous-titres en néerlandais ou en anglais, vu que je sais que les deux sont compréhensibles au Suriname. Donc, là, c'est... Ouais, c'est une question. Donc, mettez-le en commentaire si vous voulez en néerlandais ou en anglais. Et s'il n'y a pas de commentaire, si personne n'a répondu, je vais les faire en anglais, du coup. Bon, parce que c'est la langue nationale, quoi. On dit nationale? International. Ouais, c'est la langue internationale. Ouais. Bon, voyez, il n'y a pas de coupure, C'est une vidéo lifestyle, c'est lifestyle sur mode vlog. Donc, il n'y a pas de coupure, c'est vraiment en mode décontracté. On n'est pas là pour faire des vues, pour des statistiques. C'est vraiment pour balancer des... Pour qu'on puisse communiquer, vous et moi. Et... Voilà, c'est un espace de communication. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens qui sont abonnés sur SLM Lifestyle, parce que je gère deux pages, il y a SLM Ghetto Life et SLM Lifestyle. Donc, ceux qui sont sur SLM Ghetto Life, ils auront, et qui s'abonnent à SLM Lifestyle, ça sera assez récurrent qu'ils ont deux notifications. Une notification de la part d'SLM Lifestyle, quand je vais mettre une vidéo en ligne, ils auront la notification sur SLM Lifestyle. Et une autre notification sur SLM Ghetto Life, parce que je repartage certaines vidéos de SLM Lifestyle sur SLM Ghetto Life dans l'espace, c'est pas commentaire, l'espace communauté de Facebook. Ouais. Donc voilà, donc il se peut qu'il y aura deux notifications de la même vidéo. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour simplifier la chose? Juste, si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur SLM Lifestyle. Mais en gros, s'il y a des trucs majeurs comme ce que j'explique en ce moment, je vais le reposter sur SLM Ghetto Life pour que vous puissiez avoir l'information. Je bafouille, hein. C'est du SLM Lifestyle, on s'en bat les couilles, voilà. Yes. Ok. Yes, sinon j'ai rien d'autre à dire. Hein. Tu penses que j'ai autre truc à dire, je sais pas. Oh, mais dans le coin. Je veux me prendre en train de faire des cours de vélo. Attends, je mets un son. C'est pas sombre, non? Non, ça va. C'est pas sombre? Ah. Voilà, ah. Franchement, SLM Lifestyle, c'est en mode décontracté.
décontracté et c'est pas une page pour faire des vues ou pour faire des likes et des commentaires. C'est vraiment mode relax, quoi, parce que franchement sur SLM Ghetto Life, je peux pas me permettre de faire certaines choses parce qu'il faut garder une certaine performance pour que je sois mieux référencé sur YouTube. Voilà, yes. Donc je pense que il y a certains qui se sont abonnés à SLM Lifestyle, mais le truc c'est que j'ai je suis débordé en ce moment, donc j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Sinon, je vous dis à plus et abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné à SLM Ghetto Life, restez-y. Et si vous voulez me suivre dans mes aventures de temps en temps, eh bien, abonnez-vous aussi à SLM Lifestyle. Yes, I.